L'agent Beetle permet de mettre à jour automatiquement les connecteurs alimentés par des sources de données locales. Choisissez par exemple un connecteur construit à partir d'un fichier Excel, puis dans la liste des options, cliquez sur « Automatiser votre connecteur ». Dans la fenêtre qui s'affiche, en sélectionnant « Fichier local », il vous sera proposé de lancer l'agent Beetle. Si l'agent Beetle n'est pas installé sur votre ordinateur, une fenêtre s'ouvrira et le téléchargement démarrera. Veuillez donc à autoriser les pop-up dans votre navigateur. Une fois l'agent installé, il se lance. Renseignez alors vos identifiants Beetle et connectez-vous. Une clé vous est demandée à la première fois que vous utilisez l'agent. Vous pouvez la retrouver dans l'onglet « Mon compte » sur Beetle, puis dans l'onglet « Activation de l'agent » de la partie « Sécurité ». Une fois l'agent activé, rendez-vous dans l'onglet « Import » et sélectionnez le connecteur que vous voulez automatiser en cliquant sur le bouton correspondant. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez la date et l'heure de début de l'automatisation, puis le type d'import. Choisissez ensuite votre fichier et la feuille correspondante, puis la fréquence de mise à jour. Une fois la configuration terminée, cliquez sur Sauvegarder. Notre connecteur est maintenant automatisé et se mettra à jour tous les jours à partir du 2 octobre. Vous pouvez à tout moment désactiver l'automatisation en vous rendant dans les paramètres de celle-ci et en cliquant sur « Désactiver l'automatisation ». Notez que le PC doit être allumé et l'agent Beetle doit être lancé pour que la mise à jour automatique puisse s'effectuer.